Hello tout le monde! Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo make-up. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé un de mes cadeaux de Noël pour vous montrer à l'œuvre ce qu'elle vaut et c'est la palette de chez Huda Beauty. Donc c'est la Smokey Obsession. Donc c'est les petites palettes actuellement sur le site de Sephora et celle-ci, elle est juste magnifique. Voilà, en même temps, elle est magnifique. Donc bien sûr, la qualité de chez Huda n'a pas changé quelle que soit la palette. Hein. Je trouve que ça n'a pas changé, donc si ce make-up vous plaît, sachant que j'ai fait pose de liner et pose de fossile. Euh, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye Désolée, je suis malade, j'ai la voix qui part complètement en sucette, donc je vais essayer de me dépêcher. Donc là, j'ai euh, utilisé le, le concealer de chez Tarte pour faire ma base à paupières, pour que ce soit beaucoup plus simple de travailler directement les fards de la palette dessus en fait. Mais avant d'utiliser la palette, je mets un coup de, de colle. Donc moi, ça va beaucoup plus vite quand je commence par là. Donc je le mets dans la muqueuse et j'estompe avec un pinceau très plat au niveau de la muqueuse et du ras des cils et pas trop pour que ça fasse pas euh, non plus euh, panda. C'est vraiment estompé au niveau du du ras de cils. Donc là, je prends euh, ma petite palette qui est juste sublime, elle est magnifique. Hein je prends la couleur de transition qui est euh, qui est magnifique, un joli caramel, je dirais. C'est un joli caramel. Donc, bien sûr, toujours avec le pinceau de chez Kiko. Euh, voilà, un estompage large. Mais dans ce genre de make-up, euh, je mets beaucoup plus de matière au niveau du coin externe. J'accentue le coin externe quand c'est comme ça. Vous le verrez un peu mieux sur le treuil. Mais c'est beaucoup, euh, beaucoup plus simple à faire. Donc, euh, voilà, je place au coin externe. J'estompe vers le coin interne. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. J'estompe, je réajuste. Bah, après, ça, c'est tout le temps. Tout le temps comme ça dans le make-up, on réajuste sans arrêt, on estompe sans arrêt. Donc là, je vais prendre un marron qui est juste, mais juste magnifique. Il est magnifique ce marron. Donc je prends un pinceau qui est euh, en biais, mais assez euh, fluffy aussi. Donc là, je vais en mettre dans le coin interne, dans le coin externe, et je relis. J'estompe en même temps, je travaille euh, en même temps. Euh, toujours euh, la couleur, les teintes ensemble, que ce soit assez... Euh, uniforme et oui donc euh, voilà toujours euh, toujours estompé petit à petit jamais une tonne et euh, tout d'un coup à faire attention aussi il euh, y a pas mal de chutes donc euh, bien taper le pinceau qui est pas trop de catastrophe mais euh, j'ai pas eu de, de chute euh, catastrophique en dessous des yeux donc euh, franchement elle est vraiment euh, dans sa bonne qualité comme d'habitude de ces palettes elle est juste magnifique. J'adore cette couleur marron. Et euh, j'en profite pour estomper dessous. Dessous l'œil. Comme ça, je fais déjà mon petit estompage avec le marron. Comme ça, je relie tout ensemble aussi. Et euh, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple. Donc là, je reprends un petit peu de matière sur euh, ce petit caramel-là qui est bien sympathique. Et je réajuste au niveau du make-up et euh, du creux de paupière. Je retravaille à ce niveau-là. Donc là, je prends un espèce d'irisé, mais il est magnifique. Enfin, irisé, métallique. Je ne sais même pas comment les expliquer ces tellement qu'ils sont lumineux. C'est énorme. J'adore l'appliquer au doigt. Enfin, la, te la texture ne bouge pas. Elle s'applique vachement bien. Donc ça, c'est top, déjà. Et euh, elle est juste magnifique. Cette couleur est juste sublime. Et ensuite, je vais restomper pour retravailler le dégradé, qu'il n'y ait pas trop trop de différence ni de démarcation euh, trop flagrante flagrant et là je ré-estompe avec mon super pinceau donc je reprends de la matière et je retravaille mes coins internes coins externes avec le 227 comme d'habitude de chez Zoeva donc euh, ce pinceau c'est vrai que je l'adore pour travailler mes, mes coins j'ai l'habitude avec lui j'ai de bonnes habitudes avec lui très très bonnes habitudes et là je prends un pinceau euh, un pinceau crayon qui est le 230 je crois oui, le 230 de chez Zoeva. Donc là, je mets euh, le, la teinte irisée, comme j'ai mis euh, au milieu de, de, de ma paupière mobile. Donc ça, c'est la première base déjà, parce qu'après, je réajuste à la fin du make-up. Donc là, je mouille le pinceau euh, qui est pour le liner. Donc ça, c'est le 317. Donc lui, je le mouille et je vais prendre le fard à paupières noir pour faire une première base euh, pour le trait de liner. Parce que quand je fais des make-up comme ça et que j'utilise derrière le tattoo liner, j'ai vraiment besoin d'une base et c'est bien plus simple. Donc pour celles qui n'ont qui pas l'habitude ou qui ont peur, ça peut être vraiment une bonne, une bonne occasion de pouvoir se faire un de liner en prenant un pinceau mouillé et un fard à paupières en fait. C'est bien plus simple pour se faire une première base ou de se faire centrer directement. Et je fais gaffe, hein fait attention, le trade liner, on est concentré. Hein on se concentre, les gars. Euh, oui, donc là, je prends le tattoo liner. Et le tattoo liner, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'a pas trop droit à l'erreur avec lui. Donc euh, voilà, il ne faut pas trop se planter. Et euh, du coup, c'est impeccable. Donc là, je mets une première couche de mascara, mais sans euh, avoir utilisé le recourbe cils, vu que je vais utiliser des fossiles. Et j'ai remarqué que quand on utilise le, le recourbe cils, ça, ça empêche un petit peu la pose de fossile. Enfin, après. Euh, je ne suis pas très douée vu que je n'en pose pas souvent. Donc là, j'utilise la petite robe noire de Garlin, qui est juste très très bien comme mascara. Et là, je fais ma pose de fossile. Donc celui-là, ça a été encore. Le droit, ça a été, mais le gauche, il y a une petite couille où j'aurais dû un peu mieux réajuster avec le de liner. Mais sinon, ben voilà, c'est rien de grave. Hein. J'aurais remis une pointe de liner et puis c'était bon. Donc là j'ai mélangé deux concealers, euh, j'ai mélangé euh, ce, le Born This Way de chez euh, Too Faced et un petit peu celui de Tarte histoire d'avoir quelque chose de couvrant mais pas d'effet plâtre parce que vraiment celui de Tarte si vous en mettez trop c'est une cata, une cata si on en met trop. Il faut savoir l'estomper et euh, vraiment le travailler. Donc là j'ai mélangé les deux et c'est parfait. Donc j'essaie d'illuminer là où il faut illuminer et puis euh, couvrir un petit peu les imperfections. Donc là, je reprends un pinceau plat de chez Zoeva. Donc, comme d'habitude, c'est le, euh, le, le, le 234. Donc là, je reprends la couleur irisée. J'ai repris la couleur irisée pour illuminer dessous. Et ensuite, je prends le mascara de chez MAC pour donner plus d'intensité au niveau des cils. Pour avoir vraiment ce côté euh, smoky, ce côté vraiment effet, euh, effet fossile intense. Et ensuite je prends la palette de chez Mondi, C'est la palette de contouring. Celle-là, je ne la lâche vraiment plus. Hein. Je l'utilise vraiment quasi. Tous les jours, tous les jours, quasi tous les jours, aussi, euh, à moins que je veux changer. Donc là je prends mon pinceau poudre pour euh, travailler mon contour, sachant que je le, je le réduis avec mes doigts. Donc euh, comme d'habitude, je joue temple euh, le, fr le front. J'allais dire le menton. Oui. Le front, mon grand front. Donc voilà, un petit peu de contouring, histoire de travailler un petit peu tout ça. Et ensuite, je vais passer un petit coup aussi d'highlight mat au niveau juste du haut des, des, des pommettes. Des pommettes, des pommettes. Travailler un petit peu tout ça. Voilà. On met un petit peu. Et ensuite, je mets de la poudre matifiante de chez Make Up Forever. Donc euh, voilà. Nez, front, le menton, un petit peu partout. Et c'est parfait. Et je finis euh, ensuite par le blush de chez Tarte qui est juste magnifique, j'adore ce, ce blush. Donc pareil, j'en mets euh, les joues, un petit peu le nez et je dégrade au niveau du front pour pas que ça fasse marron et blanc, parce que je ne supporte pas quand ça fait marron et blanc. Et je vais finir par me poser un petit peu de baume au niveau des lèvres avec celui de chez Clarins vu qu'en ce moment il faut que je répare mes lèvres, je fais que des catastrophes sur mes lèvres. Et voici le final, donc euh, voilà, moi c'est un petit make-up que j'apprécie et la palette en vaut vraiment le détour.